reconnais que je verrai ta fidélité parler sur ma vie, sur mon foyer, ma postérité, sur ma famille spirituelle. Oh Père, je reconnais. Je reconnais que tu as commencé une belle œuvre en nous et tu la rendras parfaite. Je reconnais que des exploits divins, surnaturels seront manifestés cette année, dès janvier et février et mars et avril, et mai et juin et juillet et août et septembre, octobre. Et novembre et décembre finira par l'apothéose. J'annonce déjà et je reconnais l'embarras, la disgrâce, la confusion. Non, non, ne seront pas mon partage, ne seront pas notre partage. Non, 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 je reconnais la droite du Seigneur manifestera sa puissance. Je reconnais que tu veilleras sur ta parole que nous avons prononcée le 31. Tu veilleras sur cette parole, ô Père, pour l'accomplir. Je reconnais, reconnais, dans l'assemblée des rachetés. Je reconnais que je verrai encore la bonté de Dieu m'assister. Je verrai encore la fidélité de Dieu parler. Je verrai encore la justice de Dieu prévaloir dans mon témoignage. Je reconnais, mon Père, je reconnais que tu peux et que tu feras des exploits avec nous, avec Dieu. Voilà pourquoi je dis Seigneur, 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 fais-moi voir. Que tu le feras, mais je te le demande. Je dis demandez, vous recevrez. Voilà pourquoi dans l'assemblée des rachetés, je te prie, ô Père, je te demande, fais-moi voir, surprends-moi, manifeste ta puissance, ô Père, et batte-nous, accomplis tes projets de paix. Dans le malheur, Seigneur, 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 fais-moi dans mon foyer pour cet homme inconverti, dans ma santé pour cette maladie qui a résisté en 2013. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je te prie, je te prie, je te prie, j'ai même fait des vœux. C'est une manière de déclarer que je crois en ta fidélité, je crois en ta capacité, je crois en ta bienveillance, je crois en ton salut, je crois en la vie éternelle, je crois en la vitalité divine. Seigneur, Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur. Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais ta gloire, je vais voir ta gloire, je vais voir en 2014. Oh non, je ne verrai pas la honte, je ne verrai pas les tumeurs, je ne verrai pas les cancers, non. Je ne verrai pas le sida, je ne verrai pas la mort prématurée, je ne verrai pas les oppressions démoniaques, je ne verrai pas la mort décapiter ma famille. Non, je verrai éclater ta gloire. Je verrai sur ma famille humaine, sur ma famille spirituelle. Je ne verrai pas de crise cardiaque.
je vais voir, je verrai et manifester. Je ne verrai pas le statu quo, je ne verrai pas la routine, je ne verrai pas la même histoire que l'année 2013. Je vais voir, ta. Je vais voir, je verrai, je déclare que je verrai. Tu me feras voir, tu me feras voir, là où la maladie persiste, je verrai. Je verrai, je verrai, je vais voir, je vais voir ta l'assistance du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit. Comme des enfants bien-aimés. Dieu envoie sa parole en avance. J'envoie cette parole par ma mélodie. Je vais voir ta gloire. Est-ce que tu m'entends? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je vous dis, ta gloire, j'envoie la parole en avance. J'envoie la parole en avance. Cette parole me précède. Cette parole se meut. Cette parole contient la vie et elle crée des circonstances. Elle crée des circonstances favorables. Je vais voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Et lorsqu'en fin d'année, Seigneur, ils me demanderont comment as-tu fait, Seigneur, je leur dirai, ce n'est pas moi. Je leur dirai, c'est parce que j'ai choisi le bon résident, Christ en moi, l'espérance, l'espérance de la gloire. Je leur dirai, le secret, c'est choisir le bon résident, c'est choisir le bon berger, c'est choisir Christ à l'intérieur de moi. Je suis le récipient. Il est le résident, il est celui qui me conduit, celui qui me garde, celui qui me fortifie de sa droite triomphante. Je vais voir, je vais voir en cette année, exploit divin, exploit surnaturel, c'est la gloire de Dieu manifestée. Ton nom et tu le glorifieras encore en
2014. Ça ne sera pas l'année du statu quo, de l'immobilisme, de la routine, des mêmes choses. En 2013, tu nous as préparés, tu nous as redimensionnés, tu nous as contraints à la maturité. Tu nous as aidés à croire qu'un autre standard était possible. Certains ont commencé à opérer en 2013. Mais nous tous, nous entrons dans notre héritage en 2014. Dans un domaine ou un autre, nous y entrons et nous possédons. Emmène-nous dans la possession de ce pourquoi le sang de Jésus a coulé. Honneur, louange et gloire à celui qui nous a donné un héritage, à Dieu notre Père et à Jésus-Christ notre roi. Seigneur, fais.